Robert Lewandowski aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de cette UEFA Ligue des Champions pour l'instant. On va se retrouver dans un instant pour le coup d'envoi. Salut à tous, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre. Et c'est moi, Hervé Matou, qui vais vous commenter ce match en essayant de vibrer avec vous. C'est un match de groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. Le FC Barcelone face au Bayern Munich. Il va falloir aller à l'essentiel, essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance. C'est la composition du FC Barcelone. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen, Ousmane Dembélé qui sera associé à Ferran Torres en milieu excentré. Puis en attaque, on va retrouver Pierre-Emerick Aubameyang en position de numéro 9. Voici la composition du Bayern Munich aujourd'hui. Avec Manuel Neuer dans les buts. Léon Goretzka sera accompagné de Kimmich au milieu de terrain. Et c'est Robert Lewandowski qui jouera tout seul en pointe aujourd'hui. Et voilà, premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Passe de Kingsley Coman qui a trouvé un adversaire sur sa route. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Kimmich. Alors, Sané. Müller. Coman. Et l'arbitre qui a sifflé. Ah, je ne l'avais pas vu hors jeu. J'aimerais vraiment revoir ça au ralenti. Dani Alves, Sergio Busquets, Mathieu de Jong. Bon, ça c'est bien joué dans la course. Aubameyang, Ousmane Dembélé. Et c'est un corner pour Barcelone. Ouais, bien tiré ce corner. Par la défense. Dani Alves. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Avec Kingsley Coman qui va pouvoir s'enfoncer parce que c'est dégagé devant. Le tir. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Attention à ce corner. Oh, dégagement sans se poser de questions. Coman. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Ouais, très appliqué. Hein, Kimmich sur ce corner. Et la tête, ça passe largement hors cadre. Ferran Torres. Bien coupé par le joueur adverse, cette passe d'Aubameyang.
Alors, vous savez. Koretka. Le Bayern de Munich à l'attaque. Thomas Müller. Oh, c'est une marque qui vont passer devant. Attention. Ter Stegen qui intervient. Gérard Piqué. Jordi Alba. Ferran Torres. Il essaye en louche un petit peu. On gagne du terrain. Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Attention à la contre-attaque. Le roi Sané. Oh là là, donner une si belle contre-attaque pour à l'arrivée faire ça devant le but. Quel dommage, c'était vraiment magnifiquement joué. Et là, la conclusion, c'était du grand n'importe quoi. Anke de Jong. Dani Alves. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Les Blaugrana qui ont le ballon. Quelle bonne séquence de passes des Barcelonais. Oh, elle est parfaite. Parfaite cette sortie. Ballon subtilisé dans les pieds de l'adversaire. Beaucoup de courage. Alphonso Davies. Lewandowski. Oh, il l'a bien vu. Il l'a bien vu. C'est bien joué. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Sergio Busquets. On va peut-être assister à une contre-attaque. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Oh, Sané. Niche. Oh, Robert Lewandowski. Oula, ça n'ira pas plus loin. Anke de Jong. Qui perd la possession de la balle. Petite erreur technique. Sané sur les côtés, qui n'est pas attaqué. Il voulait lancer son partenaire, mais c'est intercepté. Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Dans un retrait. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux hein, de la part de ce joueur dans cette première période. Il aura traversé cette première période tel un fantôme. Très peu d'occasions, pas de but bien sûr. Ah, va falloir qu'il réagisse après la pause. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé. Dani Alves. Ousmane Dembélé. Avec Dembélé. Gérard Piqué. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Un ballon facile. Cette tête qui n'était pas suffisamment dangereuse. Cette dernière occasion qui est à l'image des problèmes de réalisme hein, que rencontre cette équipe aujourd'hui. Elle doit absolument être moins brouillonne dans les 20 derniers mètres si elle veut confirmer sa supériorité. Va-t-il parvenir à centrer? Lewandowski. Oh, le but! Le but de Lewandowski!
Le premier but dans ce match signé Robert Lewandowski. Ah, c'est encore plus net sur ce ralenti, hein. La défense trop passive dans la surface. Il n'y a pas d'agressivité. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Attention là, les Catalans qui ont tout le couloir de libre. Allez, centre long au deuxième poteau. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Ouais, directement sur un adversaire. Allez, il est passé face à son défenseur. Allez, pour qui ce centre ? Allez, le ballon qui est dégagé. De Jong. Aubameyang. Elle n'est pas passée loin cette balle. On était tout proche de l'égalisation. Ça veut dire qu'il faut encore y croire. Hein. Thomas Müller. Ouverture. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ferran Torres. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, impeccable, la récupération. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Frenkie de Jong. Bien joué, bien jailli sur cette passe en profondeur. Koretka. Ballon perdu. L'arbitre a laissé jouer. Avantage pour le Barça. Ferran Torres. Encore une bonne séquence de passe des Barcelonais. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang qui centre. Un mauvais dégagement là. Attention. Peut-être l'égalisation. Emmanuel Neuer. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. C'est pas très bien joué de la part du gardien qui remet le ballon. Il ne capte pas bien. Et derrière la sanction qui est immédiate. Ils égalisent donc un but partout. Benjamin Pavard. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et Dembélé est bien là pour intercepter. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Une bonne séquence de passe de Barcelone. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, sortie du gardien. Tranquille.
On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ah, c'est un ballon perdu. Une minute qui défile, toujours ce score de parité. Et le public qui pousse derrière son équipe. Ah non, la mauvaise passe. Un très bon ballon là pour le Barça, peut-être celui de la victoire. Eh oui, le voilà, le but de la victoire. Oh, il suffisait d'y croire. On a cru que le match allait se terminer sur un score nul, et bien non. Quel fin de match. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied, les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire hein, face à ce talent. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Sané. Thomas Müller. Le Bayern Munich qui repart à l'abordage. Peut-être sa dernière chance d'égaliser. Ferran Torres. Le ballon change de camp. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Thomas Müller. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Qu'est-ce qu'il est important cet arrêt! Il va sauver la victoire. Corner frappé par Joshua Kimmich. C'est la fin du match et c'est terminé sur ce score serré de 2 buts à 1. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Énorme performance de sa part. C'est lui qui offre la victoire à son équipe. Il a été très présent de bout en bout.